Salut à toutes et à tous, d'accord, j'ai toute nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est pour vous expliquer. Donc comme vous avez vu, j'avais prédit donc tout simplement que le défi D1 russe sortirait début de l'année. Il est sorti en fin d'année dernière. Donc voilà, fin décembre. Je l'avais prédit tout simplement. C'est en ligue qu'il faut aller. J'avais prédit Eurodivisie D1 russe pour la fin de l'année. La vidéo est à la pluie dans ma sur ma chaîne, bien sûr. Et ben c'est passé, ouais, ils l'ont mis avant que je puisse investir vraiment. Tant pis, ça arrive. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter tout simplement les deux prochains championnats qui vont nous mettre. Faut que je regarde les dates qu'ils ont mis ceux d'avant. Et je vous les marquerai en commentaire. Ou je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Donc je pense qu'ils vont nous mettre ça pour mi-février, je pense. Quelque chose comme ça. Donc pour moi, ils vont sûrement faire. Je dis bien sûrement. Non, ça c'est la dernière vidéo. La D1 Suisse, tout simplement. Voilà. Parce qu'il y a des joueurs que je pense intéressants. On va regarder du côté du FC Bâle. Pour moi, il mettrait peut-être un petit Sushi ou un petit Doumbia. Un petit Doumbia en carte SBC. Un petit Doumbia 83-84. Ce serait pas mal quand même. Après ça, je dis rien. Donc pareil, pour les investissements, c'est vraiment chacun voit. Enfin, ce que je dirais, c'est qu'il faut faire presque l'équipe de balle. Mais eSport va nous sortir des critères que je pense que personne ne connaît. Du coup, ça risque d'être assez compliqué. Après, ce que je vous conseille, pareil, argent. Et regardez tout ce qu'il y a en argent. Par exemple, hein, le gardien. Est-ce qu'il y en a en or? Voilà, il y en a en or, vous voyez. Ce serait bien intéressant d'investir sur lui. En défenseur droit. Est-ce qu'il y a de l'or? Oui, il y a de l'or. Il y a Lang. Défenseur centraux. Il y a Sushi, il y a Balanta. Vous voyez qu'il y a du argent, il y a du bronze. Faut vraiment chercher où il n'y a que du argent. Voilà. Donc là, ce serait très intéressant d'investir sur du Traoré. Je dis pas d'en acheter 50 non plus. Je dois en avoir les 3, 4 dans son club pour ceux qui ont un petit budget. Petit budget jusqu'à 20 000 crédits. Pour ceux vraiment comme moi, plus de 700 000, enfin plus de, on va dire plus de 300 000 crédits. Vous en achetez, je sais pas, moi, 7 ou 8, facile. Ça coûte vraiment rien du tout. S'il n'y a pas beaucoup sur le marché, déjà d'une. Il n'y a même pas 3 pages entières de Traoré. Donc ça peut être pas mal. Après, vous faites tous les postes. Voilà, MDC par exemple, on voit qu'il y a du Chaka, on voit qu'il y a du Dié. Pour moi, faut vraiment prendre où il n'y a vraiment que des. Voilà, par exemple, la Stéphane, il coûte déjà assez cher lui. C'est pas pareil. Mais vous pouvez choper à 1000 crédits facile si le défi sort, ce qui est sûr. Voilà, il y a deux championnats que j'ai sélectionnés pour la prochaine, on va dire. Pas la prochaine mise à jour, mais le prochain SBC League. Voilà, il y a la Suisse et le championnat que je vous présentais juste après qui pourrait être très très intéressant par contre là. Donc on voit qu'il n'y a vraiment que de l'argent sur ce poste-là, donc ce serait intéressant d'investir sur lui. MC, je pense qu'il y a de l'or, voilà, il y a Zoufi en or. Donc c'est pas pareil. Voilà, il faut juste chercher chaque poste. Découvrez qu'il n'y a vraiment que des joueurs argent. Il n'y a que un joueur pour ce poste. Là, vous investissez sur lui. Par exemple, Traoré, il n'y a même pas 3 pages. Et en défenseur gauche, en Ligue Suisse, dans le club du FC Bâle, il n'y a que Traoré. Donc voilà. Donc là, ce serait très intéressant. Sachant qu'il n'y a que lui. Franchement, on a eu certains exemples. Ça montait à 7-8 000 crédits faciles. Alors vous pouvez choper à 500, 600, 700 crédits facilement. Donc voilà. Après, il y a les autres clubs. Je vous ferai ça en live peut-être cet après-midi. Enfin, je ne sais pas à quelle heure va sortir la vidéo. Mais j'essaie de vous faire ça en live tout simplement. Ensuite, l'autre championnat, c'est la D1 d'Argentine. Voilà. Pourquoi? Déjà, il y a Boca. Il y a aussi, bien sûr, Independiente. Il y a Newell's Old Boys. Il y a aussi le Racing Club et River Plate. San Lorenzo, enfin, il y a tellement de clubs. Et on regarde, il y a plein de joueurs intéressants. Vous avez du D'Alessandro. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus de Carlos Tevez. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, du côté
Voilà, Boca. On va regarder ce qui est intéressant aussi à Boca. Toujours Tevez, bien sûr. On va regarder des joueurs comme ça serait vachement intéressant. Donc voilà, là ce qu'on va faire, c'est qu'on, comme d'hab, on va chercher gardien. Je sais qu'il y en a un or, je crois, donc c'est pas intéressant. Quoique. Non, il n'a pas. J'ai confondu avec. Comment il s'appelle ce club? Je ne me rappelle plus, j'ai confondu. Donc là, ce sera intéressant, c'est d'investir sur eux, tout simplement, parce qu'il n'y a que des argents pour ce poste, même s'il y a deux joueurs. Pareil, défenseur droit, je crois qu'on a vu qu'il avait un or. Donc là, c'est pas intéressant. Vous pouvez toujours investir, hein, mais c'est pas ce qui rapportera le plus. Là, vous voyez qu'il y a du Virginie, du. J'arrive pas à prononcer son nom, excusez-moi. Mangalan. Il y a quand même pas mal de joueurs. Défenseur gauche, il y a beaucoup de or, c'est pas la peine. MDC, c'est pas. En fait, c'est pareil que la D1 Suisse. Et là, c'est intéressant. Vous avez du Barrios. Bravo. Et qu'il n'y a pas de or. Du coup, c'est intéressant. Ensuite, MD. Je crois qu'il y en a un or. Non. Ouh, il n'y a que deux MD. Avec seulement 2 MD du côté de Boca Junior. Après, est-ce qu'ils vont nous mettre AD, AG? Pas de MD, ça se peut aussi. Faut que je compare par rapport à ce qu'ils nous ont sorti déjà. Mais là, voilà, il serait pas mal lui, hein. Oui, ouais, parce que normalement il est AD, c'est pour ça. C'est pour ça. Je me disais aussi. Là, on voit bien sûr qu'il y a beaucoup d'or, donc là, c'est pas la peine. Tout ce qui est MC, MG, enfin, c'est toujours pareil. MG, vous voyez qu'il y a ça. Non, c'est des AG, c'est ça. Voilà. MOC, je crois qu'il y en a un en or. Ouais, bien sûr, il y a Tevez, mais il sera plus. Buteur, voilà. Buteur, il y a Tevez, bien sûr. Donc on voit vraiment que c'est la technique achat-revente, donc investissement, qui peut marcher pas mal, écoutez. Hein. J'avais des joueurs dans mon club d'Eurodivisie. J'avais acheté 200 crédits. Pour certains, je les ai vendus plus de 4000 crédits. D'autres, je les ai vendus seulement 5, 600. Il suffit facilement, allez, sur quelques joueurs, hein, quand je parle de, c'était 5-6 joueurs, il me suffit 15 000 crédits. Alors qu'à l'achat, ça m'a coûté, vous faites 15 fois 200, voire 300 crédits, quoi. Après, chacun son truc, je me suis fait à peu près 10 000 de bénéfices avec 5-6 joueurs. Donc voilà, si j'investis vraiment à grande échelle, vous voyez ce que ça peut faire. Bah, donc j'espère que cette petite vidéo, donc c'est entre la prédiction et vraiment la vérité ce qui va se passer, tout simplement. Pour les deux prochains SBC, donc de Ligue, tout simplement, qui seront la D1 Suisse et la D1 Argentine. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à bombarder la barre de like. C'était la Cox. Allez, ciao les gars.